Yé pas tout le monde, bienvenue dans mon monde magique d'entreprendre. Voilà. Pour un projet de création multi-activité autour de potentiellement une activité de consulting ou de trader. Attention, je dis bien trader en compte propre et consultant autour d'activités de conseil hors. Donc pas de conseil autour en fait des solutions de placement et d'investissement. Voilà pour moi ce que j'en ai compris. Pourquoi? Parce que ces activités seraient risquées. Donc si on regarde la situation la plus simple, vous êtes consultant, voilà, et vous êtes trader en compte propre. Donc comment est-ce que vous allez choisir votre statut et régime d'imposition? Alors, dans le cas de figure, moi j'ai pris avantage inconvénient de mettre en place une SAS unipersonnelle. Donc il n'y a que vous dedans. Alors, comment est-ce que vous pourriez encadrer ces différentes activités dans la SAS unipersonnelle? Ben, par exemple, vous pourriez envisager, en fait, considérer votre activité de consulting. Donc, je le redis, hors conseil, placement, investissement sur des solutions de produits et services. Pourquoi? Allez voir mes autres castes, à mon sens, c'est vous prenez le risque de vous soumettre à une activité réglementée par l'AMF. Voilà, mais si vous êtes une activité de consulting, voilà. Donc, sans activité réglementée, l'activité de consulting pourrait être votre activité principale en termes par exemple de temps alloué. Et dans ce cas de figure, en fait, par exemple, vous allez pouvoir, dans le cadre d'une SAS unipersonnelle, facturer par exemple votre travail autour de votre activité de trading, voilà, au nom de la société. Et à son tour, cette société pourra alors vous rémunérer sous forme d'honoraires, de dividendes, de salaires, enfin en fonction de l'option que vous aurez pris. Donc en fait, le trading en compte propre, ça revient à trader, à générer en fait des plus-values, mais ces plus-values ne seront pas possédées par vous-même, elles seront propriétés et parts d'action de la société. Voilà, donc c'est bien la société qui possédera les capitaux. C'est ce qui la distingue d'une la gestion d'une micro-entreprise, à mon sens. Donc autour de tout ça, si j'ai bien compris, si votre objet social est correctement défini, si on a bien défini notre objet social, il nous serait possible en fait d'envisager facturer toutes nos activités, voilà, éventuelles autour de cette société. Donc la difficulté autour de tout ça, c'est de trouver l'activité principale. Ce que je crois comprendre pour éviter tout risque de requalification, c'est qu'a priori, en fait, l'activité principale n'est pas définie en termes de celle qui va rapporter le plus de revenus, mais est plutôt définie par la notion de temps alloué au regard de cette activité. Donc on pourrait imaginer que l'activité de consulting est une activité qui ne vous rapporte pas les revenus de façon majeure, mais néanmoins, c'est celle qui vous demande le plus de temps et d'investissement comparé à l'activité de trading qui par exemple se met en place de façon, on va dire, à ventiler votre trésorerie de façon automatique. Donc en fait vous n'y passez pas beaucoup de temps mais potentiellement vous dégagez plus de plus-value par cette activité de trading. Donc voilà, attention je dirais à tout ça, je suis pas une pro mais je pense qu'il faut être très attentif au regard de la gestion du risque de requalification de l'activité principale. Voilà, parce qu'en fonction de l'activité principale, sur cette activité principale va reposer une fiscalité associée. Donc si vous êtes mal, vous n'avez pas le bon code NAF, etc., si vous ne dépendez pas de la bonne catégorie, ben, il va falloir réajuster et peut-être même revenir en fait sur toutes les impositions que vous avez déjà eues. Donc, petit retour arrière. Donc, moi, je dirais en conclusion. Bon, je ne suis pas une pro, vous l'avez remarqué, mais j'ai la volonté d'essayer de chercher à comprendre. Alors, moi, ce que j'en ai compris, c'est que l'avantage de mettre en place une SAS unipersonnelle dans le cas où on est multi-activité autour d'activités de consulting, de trading, en fait, le premier avantage, je dirais que c'est la flexibilité au niveau du pilotage. Et comme c'est une SAS unipersonnelle, en quelque sorte, vous êtes le seul à bord. Voilà. Donc, il n'y aura pas de problème de statut et pas de problème au regard du statut des associés. L'avantage également, c'est que ça offre une flexibilité et également au niveau de votre mode de rémunération. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un salaire? Vous souhaitez facturer des honoraires? Ou vous souhaitez vous rémunérer par dividende, etc. Donc ça, c'est pour la flexibilité. Maintenant, si je m'interroge sur les inconvénients majeurs autour de ce que je qualifierais d'une SASU unipersonnelle, pour moi, en fait, en inconvénient, je noterais toujours pareil, la lourdeur de la gestion, les frais de parution au journal officiel, les frais de rédaction des statuts qui vont nécessiter l'intervention parfois d'un avocat,
parce que pour moi, c'est un risque majeur de ne pas maîtriser, pardon, de ne pas maîtriser la gestion du risque autour des statuts. Voilà, surtout notamment dans le cadre d'une SAS unipersonnelle. Après, vous aurez inconvénient majeur aussi d'autres frais alloués, les frais d'adhésion, par exemple, à des associations d'experts comptables agréés. Je vous l'ai dit, vous aurez des frais d'avocat pour les statuts, les contrats éventuels, vous aurez des frais de comptabilité et de gestion de la comptabilité. Parce que dans le cadre d'une SASU unipersonnelle notamment, bah, il va falloir mettre en place une gestion très très rigoureuse. Donc est-ce que vous avez une expérience en gestion comptable et en approche fiscale ou est-ce que vous allez prendre l'opportunité de tout déléguer? Donc opportunité oui, mais risque à combien? Pour quel prix? Voilà. Et puis, il faudra penser aussi aux frais de dissolution de statut, de modification de statut, etc., etc. Donc, voilà pour ma façon de voir les avantages et les opportunités de créer une SAS unipersonnelle quand on a des activités autour du consulting non réglementé ou du trading en compte propre. Voilà. Et je dis bien... et pas de trading dans le cadre de la gestion de comptes de tiers, parce que la gestion du risque n'est absolument pas la même, et je crois le comprendre même si je ne suis pas une experte. Allez, je vous dis à bientôt, et je vous laisse, voilà, à vos choix, à vos décisions, voilà, soyez le plus rationnel, objectif possible, et fonctionnez toujours dans l'anticipation. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa.